Bonjour à tous et bienvenue sur Africa Sound TV, la chaîne qui fait la promotion de l'art, la culture et les innovations en Afrique. Pour ce numéro de votre émission Art d'ici, nous sommes déplacés vers Menotin, ce quartier de Cotonou, pour vivre un projet atypique. Nous sommes à Africa Sound City, ce lieu mythique qui fait la promotion de la culture africaine. Ici, nous allons vivre tout à l'heure un projet qui réunit sur la scène trois nations, trois cultures différentes, le Bénin, l'Haïti et les États-Unis, tous réunis sur un même plateau pour une scène atypique. Tout à l'heure, vous allez découvrir de Yedenou à Diakoui, en passant par toutes ces ouvertures jusqu'à Mille Davis, toutes ces sonorités, toutes ces cultures, tous ces chants et danses qui font l'Afrique. Restez câblés, à tout de suite. Il a l'honneur, le plaisir, le privilège de vous présenter le groupe, le projet Ambassadeur Zone, et que moi j'aurai l'honneur de, ou la responsabilité d'expliquer. Et pas tout de suite, au cours de la soirée, vous aurez l'occasion de savoir ce que c'est que Ambassadeur Zone. Voici moi,
l'ambassadeur Zomi. C'est une histoire grande et émouvante. Ricky et moi, on s'est rencontrés à Massachusetts, précisément sur l'île de Matavilla, où on était parti pour un projet de résidence artistique. Et Ricky découvre à cet effet l'originalité qu'il y a dans la musique traditionnelle béninoise à travers mes percussions. Lui aussi étant percussionniste depuis des années, a découvert et a aimé, est tombé amoureux de Haïti. Haïti où il découvre beaucoup de rythmes, beaucoup de j'ai pas envie de dire, de secrets, de vaudou. Et lorsqu'il m'a rencontré, il a trouvé que, à part, ceci semble beaucoup plus réel, plus original que ce qu'il a l'habitude de pratiquer, d'entendre. Alors, il réalise que le problème que Haïti a en ce moment, qui est un problème d'instabilité, vient de très loin. Un problème, ça part de là, de la tête. Donc, du coup, Haïti a besoin de se reconnecter avec sa source. Et sa source est rien d'autre que le Bénin. Et du coup, Ricky décide, il me dit, écoute, et si on essaye de faire quelque chose pour sauver Haïti? Moi, je lui ai dit, c'est pratiquement pas possible. Nous, on est qui? Et il a dit, non, c'est possible. C'est bien possible, très bien possible. On a juste besoin de mettre en place quelque chose qui impacte culturellement, psychologiquement, le peuple haïtien et puis ça y est. Parce que Haïti voit le Bénin comme étant le grand frère, la source. Mais comment y aller, c'est un problème. Et du coup, on a dit, bon, voilà, on fait asseoir un collectif de musiciens qui parcourt pour lui sa gouverne et sa connaissance, qui parcourt les rythmes traditionnels du Bénin, des sonorités des instruments traditionnels du Bénin, histoire de corriger à son niveau d'abord ce qu'il a entendu, c'est juste là. Et ensuite, partir vers le peuple haïtien et le faire écouter ce que nous avons fait, ce que nous avons produit. Et c'est ça qui a créé cette résidence artistique. Et nous allons, après celui-ci, ce concert, nous allons partir vers Haïti, jouer dans tout Haïti, aller aux États-Unis, jouer dans tous les États-Unis, montrer ce que nous avons produit de façon réelle, de façon concrète, pour pouvoir porter assistance à Haïti. Ça, c'est le premier point du projet. Le deuxième point, c'est de pouvoir ramener vers le Bénin tous ceux-là qui sont les chefs cultes qui sont là-bas, les Ongans, les Babalao, ainsi de suite. Ils croient essentiellement au vaudou. Et juste parce que ça ne se fait pas de la façon dont ça devrait se faire, alors il y a beaucoup de problèmes. Donc ils doivent venir, le second plan du projet, c'est de faire venir tout ce bon monde-là et de faire rencontrer avec les vrais qui sont ici, histoire de partager ce qui est réel avec eux. Et eux, arrivés là-bas, et ils portent la nouvelle partout où besoin. Le troisième point du projet, c'est qu'il y ait des psychologues béninois qui rencontrent des psychologues haïtiens et qu'ensemble, qu'ils fassent un travail de synergie et de creusage profond de la situation pour savoir qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça puisse marcher. Voilà d'où vient ambassadeur en créole, Zomi, et vous voyez, Zomi, c'est ce qu'il y a de bon, de beau, de gestueux, de pur. Voilà d'où vient ambassadeur Zomi. Mesdames et messieurs, thank you.
Tout de suite, je dis merci à tous les amis et les collègues qui sont venus pour suivre cette sortie de résidence qui est pour moi un signal fort, parce que la musique, ce n'est pas seulement pour monter sur scène et jouer et puis c'est tout. Cette fois-ci, ce projet-là, en réalité, c'est un projet qui vise à apporter un coup de main au pays frère qui est Haïti, qui est en réalité un pays, je dirais, un démembrement du Bénin de l'autre côté de l'océan. Et donc Haïti a besoin de nous, Haïti a besoin de se reconnecter avec sa source, de se reconnecter avec sa tradition et ses cultures. A lot to say about that. How much do you want to hear right now? I study the Haitian rhythms very, very carefully, and there is a fundamental difference energetically and also in the structure of the piece. I would say, generally speaking, the rhythms here are more conversational and more tonal. The drums have a very clear tonality in their open voice, and they really, really speak to each other in intricate, shifting ways. In Haiti, there's a little bit of that, but not nearly as much, and I really like it. I don't know the language, but I can fake it a little bit, you know, just kind of sound like I'm, I guess it's kind of like singing, what do they call that, jazz singing, just kind of scat, where it's not really words, but it kind of makes sense. And so it's fun for me, I'm picking it up a little bit. C'est un très bon projet. Quand Djaoba nous avait parlé de ça, on ne savait pas exactement ce que ça serait. Et je dirais que lui-même, Ricky, celui l'Américain, il ne savait pas exactement ce que ça allait donner. C'est un truc qu'on a fait 2 semaines de travail. Il avait déjà quelques inspirations et tout. Il est venu avec tout ce qu'il avait créé comme musique là. Et nous avons pioché dedans pour en faire ce que vous avez entendu ce soir. Eh bien, c'est terminé. C'est comme ça se passe ici à Africa Sound City tout le week-end. J'espère que vous avez aimé. Restez câblés. À la prochaine pour un nouveau numéro.